aussi à me prendre pour un câble, M. Bédard? Il faudra pas. La preuve, c'est que je suis pas en dedans, même avec tout ce que j'ai fait. Puis pas des petites jobines, hein, mais des puissantes combines. Avec la grosse clique d'ici, puis celle des États. La police, ça va jamais faire peur. Mais pas assez se mettre le poignet en cœur. That's it, Frog. It's not wrong. Pourquoi qu'on vous donne tout le monde? On va t'appeler, M. Bédard. C'est les gros de la clique qui veulent que je m'arrête de parler. Qui disent à le muscle man de se tenir bien tranquille. Qui laisse partir mon partner Gabi. Parce que si Gabi a pas appelé dans une heure, je vais essayer de persécuter que tout le monde va être au courant de deux rentrées. Ça marche-t-il pour toi, ça, M. Bédard? Je suis prêt à vous aider. Mais il faudrait quand même que vous me donniez un peu plus de détails. Vous devez commencer par me dire pourquoi la PEC cherche à vous tuer. La boss de la mafia qui s'est faite descendre à New York en fin de semaine. Ben, c'est moi qui l'ai descendu. Frank Anastasia? Ouais. Un French Canadian pissou qui a mis une balle entre les deux yeux d'un des big boss des États. Parce qu'il n'y a pas un hostile gunman à New York qui avait le gars de le faire. On a effectivement retrouvé, pas très loin de chez lui, le cadavre d'un chef important, un assassin très connu, et que la police de New York se perd en conjecture quant à l'identité du meurtrier. Je me redresse à vous, monsieur, au bout du fil. Quelles preuves vous apportez de vos affirmations? Ben, Dainer, si je n'ai pas Gabi en face de moi avec toutes ses dents, va te donner la cerise sur le Sunday. Le nom du gars qui m'a payé pour ce job-là. C'est quoi votre nom? Quel rôle vous jouez dans la paix?